tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali, bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to my new subscribers, thank you for subscribing. Aujourd'hui, on va parler des huiles hydratantes, les préférées. J'adore appliquer de l'huile hydratante sur mon corps pour sublimer ma peau et juste pour hydrater aussi ma peau. Donc j'ai une liste ici que j'ai faite. Essayez-les pendant l'hiver, vous allez voir que vous allez vraiment, ça va vraiment vous aider, même en été, hein, c'est très efficace, ça vous donne aussi un glow mais merveilleux. Alors sans plus tarder, on va passer aux produits. La première marque que je vous propose, c'est de la marque Petit Marseillais et c'est l'huile sèche sublimante. Elle est merveilleuse, cette huile-là, elle sublime la peau, elle vous donne un glow. Ce qui est bien avec cette huile, en fait, ça ne vous laisse pas, vous voyez les résidus gras en fait, le film gras, merveilleux, j'adore. Vous pouvez l'utiliser durant toute l'année. Après, j'ai la marque Vaseline, le Cocoa Radiant. Ça, c'est le best-seller meilleur, c'est l'une des meilleures huiles. Ça va vraiment sublimer, donner un glow, mais extra, une tuerie. Ça va aussi hydrater votre peau et ça reste en fait. Petit bémol, ça peut se transférer, mais après, il faut savoir en fait gérer. Hein. Voilà, c'est ça. Alors après, j'ai le Shea Moisture. De la marque Shea Moisture, j'ai l'huile hydratante. Celle-là aussi, je l'ai essayée chez une amie et j'ai vraiment bien aimé. Elle fait son travail, voilà, c'est top. J'ai la marque Palmer's, l'huile hydratante doux. Ça aussi, j'aime beaucoup parce qu'elle ne laisse pas ce film huileux, vous savez, ça pénètre très bien dans la peau et ça vous donne cet effet très, très somptueux, voilà, un effet goddess. Votre peau, elle est bien hydratée, top. Et après, j'ai la marque Fair and White, So White, l'huile éclaircissante. Oui, l'huile éclaircissante, mais elle n'éclaircit, elle vous choque pas en fait. En fait, moi, elle n'a rien fait. Donc, je l'utilise, non, quand je dis rien fait, elle ne m'a pas éclairci, genre éclairci comme le choco. Hein. C'est ça que je veux dire. Quelquefois, je la mélangeais avec ma crème ou bien je l'appliquais après ma crème hydratante pour bien sublimer ma peau. Et elle sent très, très bon, merveilleusement bon. En tout dernier, j'ai le Johnson Baby Oil, tout le monde connaît, c'est vraiment un truc, la marque classique, hein. Ça fait le travail, voilà, c'est top. En tout dernier, j'ai le Bio Oil, cette marque-là, je l'ai utilisée pendant au moins une année, oui, c'était vraiment le produit qui a enlevé les vergetures et ça n'a jamais fait, ça n'a jamais rien fait sur moi, j'ai vraiment dépensé de l'argent sur cette huile. Mais il paraît que ça enlève les taches, il paraît que ça marche sur d'autres personnes. Donc, voilà, c'est une bonne huile, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du bien de ce produit. Vous pouvez l'utiliser sur tout votre corps et il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent sur le visage. Celle-ci, elle sublime pas trop, elle pénètre un peu trop vite, elle donne pas vraiment de glow, mais sinon, c'est une très bonne huile. Donc voilà, c'était ma liste des huiles pour vous donner un peu de glow, pour hydrater votre peau. Ouais. Des huiles qui vous donnent de l'éclat aussi. Voilà, tout ce que j'aime. Voilà, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser et je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!